Bonjour, je me présente, je m'appelle Johan Prat. Je me suis installé en 2018 sur l'exploitation familiale avec mes parents. La structure fait 113 hectares. Nous faisons à peu près 15 hectares de maïs, dont une partie irriguée. Après, il y a 10 hectares de céréales, une dizaine d'hectares de luzerne et le reste est en prairie temporaire et prairie permanente. Nous avons en moyenne 110 vaches laitières sur l'année. Il y a à peu près 70% de Primostein, 30% de brune. Le quota laitier est de 950 ml de lait. Avec du lait livré en AOP Cantal et en AOP Bleu d'Auvergne au groupe Altitude et transformé à l'usine Semamé. Nous avons choisi d'investir dans un robot d'alimentation pour améliorer la qualité de la ration apportée, pour le bien-être animal, pour améliorer la qualité du travail et pour améliorer la performance du troupeau laitier. Pour sécuriser la main-d'œuvre, nous avons également eu la réflexion de s'équiper de robots de traite. Pour nous, il était très difficile de concevoir le pâturage et le robot de traite et au fil des visites, ça nous a convaincu que ça pouvait fonctionner. D'où le choix d'avoir deux stalles de robots pour alléger le temps de traite et pour permettre aux vaches de sortir pâturées. Nous avons également investi dans un robot de raclage qui nous permet de supprimer la strainte du nettoyage du bâtiment et qui nous permet d'avoir des logettes plus propres parce qu'ils passent à peu près toutes les 2 heures dans le bâtiment. Plutôt rouge. Plutôt Facebook. Les deux. Les deux aussi. Plutôt DAC. Alors les deux, c'est très bien aussi.